Salut à tous, c'est Genesis Killer. Voici une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed 2. Donc, on continue. Des boîtes de trucs. Ce serait ici. Je ne l'ai pas fait. Ça s'est passé en 1908. Ou alors c'était en 2008. Non, 1708. Je me rappelle plus. Bah ta gueule si tu te rappelles pas. Kevin. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Naples. J'aurais peut-être dû lire le texte. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Reste 1, 2, 3, 4. Obtenir une autorisation. L'incident de San Paolo ne doit pas se reproduire. Les contrevenants. Je voulais pas plonger.
Lui, ça marche pas. Lui, ça va pas marcher. Ça, neuf, l'espèce de... Et là... Ils ont œuvré pour la paix, mais ils ont subi les conséquences. Cherchez notre marque. Assez vite! N'approchez pas! J'informe tous les citoyens de notre République Sérénissime que, devant la multiplication des accidents et des noyades dans le Grand Canal, un décret a été adopté pour interdire la consommation excessive d'alcool sur les bateaux. Nous informons les marchands faisant venir des épices d'Orient que de nouveaux tarifs leur seront imposés. Ceci afin de financer les coûts de réparation de l'arsenal. Tous les marchands ne sont pas concernés. Merci de consulter le texte.
Je crois que j'allais tomber. Merde. Là tout de suite. Allez, descends.
incendie qui s'est déclaré pendant le festival de San Polo, le Doge a décidé que les fabricants de feux d'artifice seraient désormais soumis à un contrôle et devraient se conformer à cette référence. Et ta giornata à voi. Aussi de nombreux accessoires. Hé, imagine ce qu'on pourrait faire en ce cas. Arrêtez-le ! À l'aide ! N'approchez pas ! Ah, je m'en fous de ça. Au souvenir. Buona giornata. Il
que je fasse? Mais personne ne risque. Mais Dieu mio, c'est un meurtrier! Au secours, aidez-moi! Ah, j'ai raison. Par pitié, laissez-moi partir! Je n'ai rien à voir avec tout ça! Le San Pellegrino! C'est pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément! Je peux! Pitié! On causait de nombreux dommages. Veuillez signaler tous dégâts subis par les propriétés de la ville. Est-ce que ça On les enferme avec Brune. Notre arme. Il est tombé dans la ville. Il n'aurait pas changé dans sa grande. Par là, je crois. Mais c'est par là. Je ne voudrais pas découvrir les autres beautés de ce temps voyageur. Mais si bien que vous êtes tombé sur les plus jolies filles de la cité. Lui, il a trop bu. Mais prends l'échelle, putain de connard. Ah, tu saoules.
les tue, Paxo. Merde. Il m'en manque une partie là.
Mais... Ça devient difficile. Cette douleur qui traverse le temps, c'est de plus en plus pénible. Elle me voit prendre un coup. Il n'y en a plus pour très longtemps. Pense-moi. La jeunesse. Oh putain de conne de merde. L'organisation voulait les fragments. Ils avaient goûté à leur pouvoir. Mais qu'étaient ces fragments au juste? Pourquoi venaient-ils si bien? Ah, c'est comme si nos esprits leur appartenaient. Ils avaient été conçus pour obéir. Je sais pas si c'est là ou là. Bon, c'est là en fait. Il est tombé tout seul.
Il n'a pas peur de se donner en spectacle, celui-là. Fiche le camp. Si ça l'amuse. Encore un de ces saltimbanques. Approchez, mes amis. Surtout, portez-vous bien, mon ami. State bene. Et t'es sourde ? Suite à la mort de l'ambassadeur portugais, le Conseil souhaite rappeler à tous les citoyens qu'il ne faut pas consommer le poisson pêché dans les canaux de la cité. Il est également de leur devoir d'en avertir tous les visiteurs de notre République sérénissime. Thank you.
Je sais pas si ça marche, mais ça a l'air. T'es mou. Buonasera a voi. Je tiens.
rester là. Je ne reste pas ici, je ne dois pas rester là. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Voilà, ça c'est fait. Mais putain, mais saute, gros con! Tu peux pas sauter normalement. Oof.
Allez-y. Là-bas. C'est bon, elle va pas tomber ton gros con. Buonasera.
supposé. Passe devant, belle. Un impôt sera prélevé sur toutes les marchandises importées qui ne seront pas jugées indispensables. Ici, vous ne trouverez pas des œuvres, mais des chefs-d'œuvre. Ici, vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat. Buonasera. Mais j'ai payé. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, vous voulez pas venir là? Putain. Allez, ma belle. Hey, cassez-vous, monde de blaireaux. Dieu vous protège, vous êtes le plus
con. Souhaitant agrandir leur cellier, devront dorénavant obtenir une autorisation. Non, l'incident de San Polo ne doit pas se reproduire. Oh, c'est nul. Les contrevenants seront punis. Toi, est-ce que cette robe me vient plus fort que mal de la longtemps? Toute activité commerciale est dans. Ça, c'est fait. J'en ai encore. Les marchands agissant à titre privé peuvent alors, la marche est déjà vue. Oh bien, si personne ne s'occupe de moi, je vais mourir d'ennui. Votre attention, les récentes inondations des quartiers qui font face au Lido ont causé de nombreux dommages. La prudence est recommandée aux abords des sites de construction. Veuillez signaler tout dégât subi par les propriétés de la ville et soyez courtois avec les ouvriers. Vous avez l'esprit d'être mal dans vos bottes ? Vous avez les orteils froids et mouillés à cause de la pluie ? Pas de temps à perdre. Ah, mais casse-toi, putain de con.
Pourquoi tu fais ça? Là-bas! Aïe! Va-t'en! On peut pas trop dire que le marchand Melardo de San Polo a été jugé coupable de trahison! Le conseil souhaite rappeler à tous les citoyens qu'il ne faut pas consommer le poisson pêché dans les canaux de la cité. Il est également de leur devoir d'en avertir tous les visiteurs de notre République sérénissime. Buongiorno. Bien entendu. Pourquoi sont barrés les deux connards, hein? Il y en a encore. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt. Allez, salut.